Bien, salut à tous, ici TotalDeed et bienvenue pour un nouvel épisode sur The Guild 2. Ça fait un petit bout de temps que ça fait un bout de temps que j'ai posté le dernier épisode, donc je m'y relance parce que je vous explique juste un coup, c'est que je fais en parallèle la campagne sur Napoléon Total War avec l'Égypte, veut dire la campagne d'Égypte sur Napoléon Total War. Et donc j'ai fait donc je me suis dit, hier ou avant ou je crois que non c'est oui c'est ça c'est hier. J'ai fait en un coup les 8 épisodes, les 8 derniers ou 6 derniers épisodes de ma campagne. Donc j'aurai plus qu'à poster les épisodes sur Napoléon. Et donc là, je me relance sur les vidéos sur The Guild pour pouvoir reprendre le Let's Play. Alors, je rappelle où nous en sommes restés la dernière fois, si je me rappelle bien. On a développé la maison, on a développé les boutiques de tailleurs, les ateliers de tournage, la forge à lames. En gros, vous pouvez voir que je suis vraiment en train de développer mon commerce. Même la boutique de tissant, là aussi, s'est développée et je peux même embaucher un nouveau salarié. Et en fait, je me rends compte que The Guild. En fait, je me rappelle, j'avais vu un let's play de The Guild. Mais c'est ça, j'oubliais. Voilà, j'accepte. J'oubliais que ce qui dure très longtemps, c'est tout ce qui est la préparation, ce qui est de gagner de l'argent. Au dernier épisode très important, je vous montre, on va retrouver mon personnage. Je suis le Je maître. vais accélérer la vitesse. J'ai commencé à corrompre des gens. Par exemple, attendez, ce que je fais, c'est que si je fais postuler un siège, moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier tensionnaire, car je commande les gardes, des gardes des cachots. Voilà, je suis président du conseil municipal. Alors, de ce côté, il y a. Ah, ici, il y a ordonnance d'une inspection commerciale, commande des inspecteurs de commerce. Alors lui, pour le capitaine, tous, non, le torturer quelqu'un ou commander des gardes du cachot, ça m'intéresse. Mais par contre, ordonnance d'inspection commerciale contre mes opposants ou mes rivaux, ça peut être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être Le postuler au truc travail, de c'est commerce. toute ma vie. Car je pense que c'est ça en fait où j'ai Voici le ma plus grand candidature intérêt. à une charge. Très bien. Alors, le truc, c'est qu'il y a un truc que j'avais oublié, c'est que les. Je sais plus quelle est la fréquence des réunions. Parce qu'au final, je me rends compte que les Ça ne réunions prendra pas longtemps. Je sont suis là. assez. Les réunions sont quand même pas mal espacées dans le temps. De son côté, on voit que mon concurrent, voilà, lui, il a moins de bâtiments. Bon, il a trois quelques bâtiments ici. Il a un bâtiment là. Ils sont moins développés que les miens. Bon, on va voir. La guilde des filous de Briarhunt propose un contrat commercial pour la cour de l'empereur. Alors ça, par contre, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont, à mon avis, critiquer quelque chose. C'est que en final, je gère beaucoup l'évolution de mes bâtiments. Mais vous dis, comme c'est mon premier let's play, j'ai pas non plus fait plusieurs heures sur ce jeu. Je crois que j'ai jamais fini de partie. Je connais un peu mal la partie espionnage, la partie capturer les bâtiments. C'est quelque chose que je ne sais pas encore faire. Là, attendez, ce que je vais faire, c'est que c'est Dans pas mon une blague. Là, commerce, je nous vais. travaillons C'est pas une blague. consciencieusement. Je En vais avant! passer une nuit avec ma femme pour tout simplement. Être sûr d'assurer ma descendance. Car attendez, si je regarde ma descendance, dynastie, arbre généalogique, j'ai trois enfants, mais je vais au cas où en faire un quatrième, voilà, pour être certain. Et ça va ma fille, t'es contente, t'as tout. Voilà. Au niveau de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez, je gagne plein d'argent. Là, je produis des armes, je produis des casques. Il faut Ici, faire j'ai une attention. charrette qui va chercher aussi certaines choses. On va voir, est-ce que je gagne encore plus d'argent? Voilà, 6440. C'est vrai que là, pour ce qui est de corrompre, je suis bien placé. Et je regarde un peu pour ce qui est de amélioration du bâtiment. Je crois qu'il y a certaines choses à améliorer, comme voilà, l'espace de stockage. Pour ce qui est de niveau du bâtiment, je pense que je peux développer encore les bâtiments. Mais je crois que ce que je peux aussi développer, c'est améliorer le domicile. Alors, je vois pas déjà. Voilà, avec ses murs solides, son toit qui ne fuit pas et son sol atteint la maison, d'accord. Le bâtiment appartient. Ok. Ah, une arrière-salle où je pourrais surveiller mes affreux rivaux.
Vous savez quoi? Ça a coûté quasiment tout mon argent. Et bien, vous savez quoi? Regardez. Vu que la réunion est maintenant, j'ai bien fait au final. Même si entre-temps, je vais gagner de l'argent entre-temps, j'ai bien fait au final de ne pas. Bon, au final, ça m'a empêché de. D'évoluer, faire évoluer la maison, car sinon j'aurais perdu tout mon argent et je ne pourrais pas corrompre. Allez, cours, cours, petit pas, petit pas, petit pas. Et donc maintenant, on va aller à la salle d'assemblée et il faut se tenir prêt et on va regarder ensemble la réunion. Attendez, on va un peu accélérer. Alors, si je regarde bien, là c'est quoi? C'est Patricia, ok. Alors, eux, à mon avis, ce sont eux Il y a qui un vont. problème? Hein? Voilà. Donc je suis là, ça c'est bon. Au Voilà. travail! Je pense que je vais essayer de soudoyer quelqu'un. Je vais essayer de soudoyer cette personne, tenez. Attendez. Nous voilà bien avancés. Attendez, regarde juste un truc là. Journal, politique. Lui, c'est Christian. Burf, et ben je vais voir s'il est quelque part, Christian Burf. Il est nulle part. Attendez, et si je regarde par ici, Patricien Desdegen, et ben attendez, on va regarder quelque chose. Il n'est pas là. Ben, président, ah, c'est le président du conseil. C'est attendez, Per Warskov, ouais, Per Warskov. Voilà, il est là. Et ben, vous savez quoi? On va Quoi essayer de maintenant? soudoyer. On va mettre le Nous paquet. voilà bien avancés. Allez, allez, je te corromps devant plein de personnes. Vous ne le regretterez pas. Et vu que lui fait partie de ceux qui vont voter, Quelqu'un accepte votre pot de vin? j'espère tout simplement que cela va pouvoir m'aider. Alors c'est quoi? Alors elle c'est Maria Wasco. Alors Maria Wasco, qui est-elle? On la voit quelque part. Ah par contre elle doit être la femme de Pierre Wasco. Donc ça veut dire qu'à mon avis je Je vais suis essayer là, de la je soudoyer travaille, elle. c'est toute ma vie. Sauf que non, il faut que j'attende avant de soudoyer quelqu'un. Ce qui fait que là ça devient. Ça devient stressant parce que j'aimerais bien avoir cette place de pour faire des actions de commerce. Alors, ouais, on va voir, c'est elle. Attends, Caroline Cowad, attendez, c'est pas là. C'est elle la présidente, Caroline Cowad. Donc, je vais essayer de la soudoyer, elle. Et là, par contre, je vous cache pas que pour ce qui est de soudoyer. Tiens, c'est bizarre. Je suis le maître. Ah, bah mince. Ça buguait, je pouvais pas. Je pouvais pas la. Ça affichait pas l'argent pour La la suite soudoyer. de l'ordre du Alors la jour suite de l'ordre concerne concerne le le débat débat sur sur la la charge charge suivante. suivante. Je parle beaucoup parce que La là, la présidence du présidence du conseil conseil municipal, municipal. ça c'est pas... Les C'est moi. personnes suivantes postulent à la charge Alors de... écoutez. Les personnes suivantes peuvent voter. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez toujours être utile au conseil? Nous a... Ok. Ok, et ça c'est pas pour moi. En fait, Les je sais à personnes quel moment ça suivantes va être à peuvent moi. voter. C'est lorsque je vais pouvoir. C'est lorsque je vais pouvoir. Car sinon, je devrais vous envoyer en prison. Désolé si j'ai du mal à m'exprimer. Ce sera à moi lorsque je pourrai Prenez un peu corrompre. de temps pour y réfléchir. Et voilà, donc j'attends un peu. Et franchement. L'occasion m'est rarement offerte d'avoir des conversations aussi plaisantes. Passons au vote. Je vous Ah, appelle. regardez! Le truc, une truc aussi plaisante, à mon avis, c'est... Je vous remercie de votre Voilà, confiance. une... Attends, un truc aussi Passons plaisante, à mon avis, maintenant au est-ce que débat c'est sur la charge suivante. parce qu'elle a parlé à moi quand il y a eu le bug? L'honorable poste de représentation de guilde. Ça, c'est pas moi, ça. Mais est-ce que la phrase Les qu'elle a candidats dite là, suivants se je n'ai jamais présentent. eu une... Voilà, j'ai eu Les une personnes discussion suivantes plaisante. peuvent Est-ce que c'est un voter. rapport avec le bug concernant le... Qu'est-ce qui vous fait croire que vous La pouvez toujours corruption, être utile ou au est-ce que c'est une phrase conseil? qu'elle a dite parce qu'elle a parlé avec quelqu'un? La raison est pourtant simple. On va avancer un peu. Cœur.
Vous ne le regretterez pas. En avant ! L'occasion m'est rarement offerte d'avoir des conversations aussi plaisantes. Ah, voilà. Je vous en remercie. Ça a marché. Mais j'espère que je vais être à l'oreille. Vous êtes charmant. Vous êtes charmant, merci. Alors, au revoir. Du calme. Passons simplement au vote. Au vote, au revoir. C'est pas moi. Je vote pour Totadi, ça c'est moi. Connasse ! Je vous remercie de votre confiance. Merde ! J'avance un peu. L'offre spéciale d'un comptoir est terminée. Ah, mais je suis deg. Au final, j'ai pas été élu. À mon avis, c'est... À mon avis, il faut persévérer, mais quelqu'un a voté pour moi. Et je pensais que, voilà, c'est Patricienne Maya Warsko. Attendez, regarde juste quelque chose. Caroline Coward. Elle est où, Caroline Coward? Est-ce qu'elle est encore dans la salle d'assemblée? Ok, c'est elle, Caroline Coward. Faudrait que je tente. Non, attendez, là ça bug un peu parce que la vitesse est réduite. Oh purée! Là c'est une grosse somme. Mais à mon avis, c'est nécessaire pour la corrompre de façon définitive. Quelle générosité! Car à mon avis, je sais ce qui s'est passé à mon avis. C'est qu'il y en a un qui a voté pour moi, un gars a voté contre moi, et elle a le dernier mot, elle a voté contre moi. Et je pense que c'est... Voilà, c'est elle qu'il faut surtout corrompre. Et là, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que... je vais attendre quelques tours. Voilà, attendez. Accepter, Auguste, voilà. Et la prochaine fois... à mon avis, elle votera peut-être pour moi. Et voilà. Donc, la corruption, c'est en train de se faire petit à petit. Et alors, j'avance de façon rapide. Car voilà, maintenant, une nouvelle journée va commencer. Et j'espère que je serai pas trop dans le déficit. Ah, moi, 1005, ok. Mais bon, après, vu ce que j'ai dépensé en corruption et vu combien me coûtent mes employés, c'est normal. Donc j'avance là de façon assez rapide pour... Et alors là j'allais à l'école, ok, donc ça veut dire qu'il va falloir vite que mes employés rentrent pour que je puisse récupérer de l'argent et avec cet argent pouvoir payer des cours à mes gosses, hein, parce que... Viviane, ok, c'est important l'école. Bon, Un comptoir achète certaines marchandises. Ok, certificat d'études. Nous confirmons par le document que Totadi Ju attend fréquemment, régulièrement et assidûment le cours de la guilde de Beahun afin de recevoir notre enseignement sur les arts majeurs. Que votre savoir fasse honneur à la guilde par-delà les frontières de la ville de Beahun. Ok. Maître de la guilde. Il y a personne. Ok. Ok, diplôme, bah, je suis fier de toi, mes enfants. Je suis là. Alors, est-ce que maintenant, mais j'ai commencé à vendre et à récupérer de l'argent. Voilà, j'ai mes charrettes qui sont en train d'y retourner. Et je regagne à nouveau de l'argent. Et voilà, j'en ai un peu perdu car il faut acheter les ressources. Mais par contre, faudrait que j'arrive à voir ce contrat là de la des filous. Coward, et ben j'accepte. Voilà, alors. Très bien, donc... Oui. Okay. Je regarde juste ma réputation.
Oh non, c'est de la rance. Ok, 0-0, c'est de la merde. Trois dagues empoisonnées, alors. À mon avis, c'est au niveau de la fonderie que je vais pouvoir en fabriquer, des dagues empoisonnées. On va voir ça tout de suite. Dague. Il n'y a pas de dague ici, particulièrement. Attendez. D'accord. Alors, attendez. Je vais essayer de le soudoyer, l'enquêteur, avec un peu d'argent. Voilà, enquêteur, voilà. Je vous remercie de tout cœur. Et à mon avis, grâce à ça, il ne va pas... Voilà, il va pas trop voir, il va pas voir grand-chose. Même sauf que j'y pense maintenant. J'accepte. Ça ne prendra pas longtemps. Je vais voir l'arrière-salle car je crois que c'est là où il y a mes espions. Ok, alors là c'est maison de pignon, boutique de charpentier. De problème. Si j'essaie de mener l'enquête par ici. Quel est le plan? Où dois-je attaquer? On va essayer de saboter ça. Et voilà. Elle est morte. Bon. Eh ben, regardez. Toi là. Ok, attendez. Et si je sabote une nouvelle fois? Je vais recruter. Ok, à mon avis, elle doit être à l'hospice, ma mon espionne. Elle n'est pas là. Ouais, elle doit être morte. En fait, je vous ai déjà raconté la fois où mon cousin a mangé trop de betteraves à sucre. Ta gueule. Quel est le plan? Mais bien entendu. J'espère que ça a marché. Mais bien entendu. Mais bien entendu. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'elle fait?
D'accord, il n'y a personne pour réparer. Oui. Je pensais qu'elle était morte, mais non, elle n'est pas morte. Mais bien entendu. Ah, j'essaie de capturer le bâtiment. J'ai capturé le bâtiment. On n'a rien sans rien. Nous voilà bien avancés. En avant. Ah non, c'est à moi ça. J'ai cru qu'elle allait lui mettre un gros coup de... Vous venez de prendre un bâtiment. La cour revient sur sa décision. Ok. Rénover bâtiment. Ok. Et je vais recruter. Nous emparer d'un bâtiment qui appartenait à un clan adverse. Il était quand même pas mal amélioré. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour la production, je vais en plus acheter une charrette. Elle n'est pas assez impressionnante, la charrette. Tant pis. À mon avis, ça va leur faire mal économiquement. Vous venez de prendre un bâtiment. Voilà, j'ai pris le premier bâtiment. Ok. Donc, voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai 18 000. Alors, à mon avis, avec 18 000, je vais pouvoir... regardez, améliorer le bâtiment, ça me coûte que 6 500. Contrairement à... Ok, attendez, à mon avis, je dois augmenter la compétence du personnage. Empathie. Le charisme, j'augmente, voilà. Niveau 5. Un bâtiment vient d'être rénové. Tu veux un bonbon ? Et voilà, toi, je vais pouvoir t'envoyer à l'école. Quand je serai grande, je deviendrai bourreau. Je veux pas me coucher. Tu deviendras bourreau, ma petite, c'est mignon. Là, niveau du bâtiment, on va tout de suite passer à un bâtiment de niveau supérieur. Et pour la charrette, on ne peut rien... Je vais attendre avant d'en construire une nouvelle. Et pour ce qui est de la production, c'est vous le maître. Voilà, vous allez produire un peu de tout. Et voilà, c'est nickel, c'est parfait. Et je pense qu'il va falloir que je fasse ça encore pour un autre bâtiment. Et vraiment, c'est pas mal ce qui s'est passé. Donc là. Ce qui va se passer, c'est que on va arriver à bientôt 25 minutes d'épisode avec l'intro, mon intro. Donc nous allons nous arrêter là pour, voilà, je reprends l'idée de faire maintenant des épisodes plus courts. Pour la guilde des filles de loup, c'est pas grave. Votre enfant est en l'âge d'entrer en apprentissage. Ok. Il est où ce gamin? Ok. J'ai rien fait. Alors toi... Non, et encore non. Alors, à la guilde des marchands, artisans... Ma capitaine de la garde, tiens. J'ai rien fait. Mais j'ai pas dit que t'avais fait quelque chose. Ah là là, bon, on va faire de façon avance rapide pour accélérer la construction du bâtiment. Mais bon, de toute façon, ça change rien. De toute façon, vous n'allez pas voir la fin du bâtiment, la construction du bâtiment tout de suite, puisque c'est la fin de l'épisode. Voilà, durant cet épisode, donc on a tenté encore de corrompre. On a tenté de prendre une place. On a corrompu la présidente. On a corrompu quelques membres, ce qui fait qu'à mon avis, à la prochaine élection, on a une chance d'atteindre un haut poste. Ici, j'ai compris le principe, j'ai saboté un bâtiment. Non seulement j'ai saboté le bâtiment, je m'en suis emparé, je suis en train de le développer et je vais utiliser ça à mon compte. Je ne vais pas maintenant attaquer à nouveau ce bâtiment car vu qu'il est à côté d'un puits, ça ne sert à rien. Mais par exemple,
Ah, ça c'est la maison. Peut-être que je peux affaiblir leur maison. Voilà. Ça peut être un bon truc pour moi. Là, j'attaquerai ça plus tard. Et au prochain épisode, j'achèterai un titre de niveau supérieur. Donc, voilà. C'est la fin d'épisode. Désolé. Désolé pour le micro. C'est la fin d'épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À mettre un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. De partager un maximum la vidéo avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour la suite du Let's Play sur The Guild 2. Au revoir. Ça commence! Wouhou! Attends, je me redresse un peu. Bon bah d'accord, voilà, à nouveau. Hop, ça commence bien. Et c'est quoi enfin? Semi-pro, semi-pro? Moi je suis débutant. À mon avis, ça doit être un pro ou un semi-pro lui aussi. Pour arriver à marquer comme ça.